années nous démontrent que le rendement a été supérieur à celui de l'année dernière. Et l'installation de nouvelles machines va nous permettre d'augmenter encore ce rendement. Cette nouvelle machine va remplacer trois anciennes machines. Et là où il fallait trois hommes, un seul ouvrier suffira. Nous pouvons ainsi espérer tripler le rendement. Mais conserverons-nous la même qualité? Il ne s'agit pas de qualité, mais de quantité. La concurrence devient très dure. Et si nous voulons abaisser notre prix de revient, nous n'avons pas le choix. Cette machine sera difficile à conduire. Au contraire, nous avons encore simplifié le travail de l'homme qui ne doit plus agir que comme un automate. Si je comprends bien, votre rêve est de voir l'ouvrier devenir lui-même une machine, n'agissant plus que par réflexe et n'ayant plus besoin de penser. Il n'a pas à penser. C'est à nous de le faire. Ainsi, l'homme est devenu l'esclave de la machine qui l'émerveille. Notre civilisation moderne a trop oublié l'homme individuel pour ne songer qu'au rendement possible de la masse des hommes. Il n'est pas question de renoncer au machinisme, de détruire les machines, ce serait une autre folie. Car sans rétrograder, l'homme ne peut pas renoncer à la machine qui fait pour lui des travaux dont ses seules forces sont incapables et qui l'a libéré ainsi d'une fatigue physique inutile. Si jadis un carrosse pouvait être fabriqué entièrement à la main, imaginez-vous aujourd'hui une automobile construite de la même façon. La machine a donc permis par son ingéniosité de mettre à la portée de tous ce qui jadis ne pouvait être réservé qu'à un petit nombre. Mais il ne faut pas que l'automatisme borné de la machine, si perfectionné soit-il, domine l'intelligence de l'homme. Car c'est l'intelligence de l'homme qui a créé la machine. Sans l'homme, la machine n'est qu'un instrument aveugle. Voyez par exemple ce métier automatique. L'ingéniosité de l'homme a fait de telle sorte que si un seul de ces centaines de fils vient à casser, une petite pièce, soutenue par ce fil, tombe et automatiquement arrête la machine. Mais c'est la main de l'ouvrière qui doit renouer le fil avant de remettre la machine en marche. Car seul l'homme peut lui donner la vie avec son cerveau et ses mains. Avec son cerveau, l'homme de France trouve le moyen d'adapter la machine aux circonstances. Par exemple, le coton venant à manquer, le matériel étant fait pour le coton, il sert cependant pour la rayonne.